Eh bien, je suis avec Sébastien Cellier. Bonjour Sébastien, vous êtes directeur du développement de Signes de Sens. Et aujourd'hui, nous allons parler de édition jeunesse accessible, EJA. Et on voudrait déjà savoir ce que ça veut dire, cette expression édition jeunesse accessible. Oui, effectivement. Alors, Édition Jeunesse Accessible, en fait, c'est un collectif d'éditeurs qui ont tous en commun, en fait, de faire des livres accessibles aux enfants qui ont un handicap, une difficulté de lecture, une difficulté de compréhension. Ce sont des livres dans lesquels on va trouver des adaptations spécifiques, des livres en gros caractères, par exemple, pour les enfants qui ont des problèmes de vue, des livres avec des histoires animées pour les enfants sourds, ou bien des livres en braille également. Ça va être aussi des livres en pictogramme avec des images pour les enfants qui ont une difficulté de compréhension à cause d'une déficience intellectuelle, par exemple, ou bien à cause d'un trouble du spectre autistique. Tous ces livres, en fait, pour les enfants de 3 à 12 ans, qui vont leur permettre de découvrir le plaisir de lire et puis découvrir aussi oui, la richesse de la lecture. Alors, est-ce qu'il existe une offre importante dans cette collection EJA? Alors, il existe effectivement une offre, comme je vous le disais, hein, de la part d'éditeurs comme Mes mains en or ou bien L'Escalier, il y en a plein, plein d'autres. Mais cette offre est très peu connue, en fait, des professionnels du livre et de la lecture. En médiathèque, en bibliothèque, par exemple, c'est une offre qui est pas bien connue, y compris dans les librairies. Et donc, Signes de Sens s'est emparé du sujet, a créé ce collectif pour justement à la fois former, en fait, les bibliothécaires, les médiathécaires, pour qu'ils puissent proposer dans leur bibliothèque, dans les rayons, ce type de livre, pour que les familles les trouvent. Donc c'est vraiment, voilà, ensemble, collectivement, qu'on fait en sorte de mettre en lumière ces livres, hein. Au total, on dénombre presque 800 livres, 800 livres, hein, avec ces adaptations spécifiques. Et c'est important de faire ce travail de communication, collectivement, pour que les familles, en fait, puissent trouver des livres pour leurs enfants, puisque tout le monde a le droit de lire. D'accord. Donc, vous venez de nous le dire, la notoriété de JA est certainement pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. On a une œuvre ici pour que cela change. Mais comment expliquez-vous le fait justement que cette notoriété soit faible, et y compris auprès des professionnels? Il y a plusieurs choses, hein. On peut identifier un problème du point de vue de la formation. De la formation des bibliothécaires, mais c'est surtout un problème de visibilité. Il y a depuis quelques années quand même un gros travail qui est fait, hein. Là, il y a quand même plus de 50 médiathèques qui sont équipées sur toute la France. Il y a aussi dans les médiathèques une obligation d'avoir ce type de livre, puisque la médiathèque doit proposer des livres, doit pouvoir proposer des livres pour l'ensemble, en fait, des lecteurs et l'ensemble de ses publics. Donc les choses s'améliorent. Mais il y a ce travail, en fait, vraiment de communication. Les bibliothécaires eux-mêmes sont parfois surpris, en fait, de découvrir ce type de livres qui, en fait, au départ, sont faits vraiment pour les enfants qui ont une difficulté de lecture à cause d'un handicap, mais qui finalement peuvent être utilisés par tous les enfants. C'est ce qui fait aussi la richesse, en fait, de ce type d'édition, puisque voilà, on peut avoir une difficulté à entrer dans la lecture écrite. Et finalement, on peut peut-être amorcer ce travail avec des livres, avec des pictogrammes ou des imagiers. Et donc, voilà, ce qui est génial, en fait, c'est que ces livres qui sont faits au départ pour vraiment répondre à des besoins spécifiques peuvent être utilisés par toute la famille et tous les enfants. Donc, on mène ce travail avec, je vous dis, l'ensemble des éditeurs. Et nous, on crée le lien entre ces éditeurs qui font un travail extraordinaire et puis les bibliothèques et les médiathèques. On les forme, on les accompagne à structurer leurs espaces, en fait, en médiathèque, et on les accompagne aussi à faire connaître ces espaces dans les établissements médico-sociaux de leur territoire, puisque dans ces établissements, on va retrouver une partie des enfants, en fait, qui sont concernés par ce type de livre. Eh bien, merci Sébastien. Et maintenant, nous n'ignorons plus et n'ignorons plus jamais le JA. Merci à vous. Parfait, merci à vous. Alors.